Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Resident Evil 4, on va faire le chapitre 2-3, donc bon petit chapitre, enfin normalement c'est le 2-3, hein. Normalement il n'y a pas de problème, voilà. Donc on va faire chapitre 2-3, donc on était à la maison, je sais plus trop quoi, voilà, on va tout simplement continuer. Donc normalement on n'a rien d'autre, s'il y a le balle de fusil à pompe. Balle de fusil à pompe, et donc du coup on va tout simplement sortir dehors. On va récupérer un peu ce qu'il y a, voilà. Hop, on récupère. Il y a peut-être quelque chose ici. Non, il n'y a rien du tout. Voilà, donc on va derrière. Il y a peut-être quelque chose, je suis pas sûr. Ouais, non, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Enfin bon, j'ai jamais vraiment fouillé tout ce qui était ici. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, normalement, il y a des balles là, non? Non, il n'y a pas de balles ici, là? Si, là, ici. Ouais, ok. Donc du coup, on va vite fait récupérer ce qu'il y a là. Bon, on s'en fout, en fait. Mais bon, voilà. Non mais je m'en fous. Voilà, donc du coup, je vais tout simplement aller là. On va aller à côté, voilà. Donc on va, hop, combiner ça. Et là, on y vend. Welcome. Au petit marchand, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a? Ouais, donc il a rien. Si, il a quelque chose de nouveau, le marchand. Qu'est-ce qu'il a de nouveau? Ah, le Punisher, d'accord. Mais c'est génial. Bon, je m'en fous un peu, mais bon, c'est pas grave. Donc le Punisher, ouais, on va rien améliorer. TMP c'est pareil, donc du coup on va tout simplement vendre les balles de fusil à pompe, on va, donc là il y a la grenade, Punisher, donc le spinel, voilà on en profite, et ça on y garde. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à droite, attends qu'est-ce que je fais, ouais, de toute façon je vais éviter de trop me faire chier, donc du coup je vais aller à droite, voilà. On va faire, on va à la droite. Par contre, il va falloir courir vraiment rapidement. Ok, donc on prépare les munitions. Et puis, on speed sa mère. On a intérêt à bien speeder, c'est moi qui vous le dis, parce que là, ça va être la merde. Donc, du coup, on tire de loin. Voilà. Putain, je sais pas où j'en suis. Je vois rien du tout. Ah voilà. Ok, donc hop, on recharge. Et là on court. En espérant que madame ne casse pas les steaks. Je m'en bats les couilles qu'il y ait une putain de machin. Quoique. Ok. Allez, viens. Ouais, on s'en fout un peu de ce cas-là. On va juste récupérer le bijou qui est là-haut du coup. Je vois pas, putain, mais vas-y, c'est quoi ce viseur là qui est translucide ou je sais pas quoi, on voit que dalle. Putain, je vais me faire niquer. Mais non, mais t'es sérieux, mais pourquoi elle est morte? Mais pourquoi il a réussi à la choper cette salope là? Mais t'es sérieux, mais franchement, mais j'y crois pas, j'ai jamais vu aller aussi vite, fils de pute là. Putain, il est pas censé aller aussi vite ce connard de merde. Putain, j'ai même pas la clé. J'ai pas la clé. Mais oui, c'est ça. Allez, mais oui, t'es moche. Mais un point. Tu peux même pas t'imaginer à quel point t'es moche, mon gars. C'est vraiment un truc de fou. D'accord, elle est là-haut. Putain, ouais, il est pas tombé le truc. Hein. Voilà, ça c'est nickel. Ok, on a la vieille clé, c'est bon. On a la vieille clé, hop, on récupère tout ça. Et on se casse. Non, tu me récupéreras pas cette fois-ci, putain, il m'a récupéré quand même. Ok, bon, on va prendre de la vie. Putain, on a vraiment que dalle en point de vie. Au niveau de la vie, on a que dalle, mais un truc de ouf. On a toujours pas le bijou, hein. Putain, il commence vraiment à me casser les couilles, ce mec. Bon. On va voir ce que ça donne si on vient là. Alors. Hop, oui, j'ai utilisé la vieille clé, nanana. Alors si je traverse le portail et que je reviens en arrière, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Et ben voilà, c'est nickel. En espérant qu'il soit pas là. Normalement c'est... Oh l'enculé. Ok, vite, on se casse. Pff,
Putain, mais c'est un grand malade ce mec. Hein. Oh là 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 là, mais c'est un grand grand malade. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est un grand malade. Je sais pas comment on va faire. J'ai perdu beaucoup de vie pour cette connerie. C'est pas grave, de toute façon, on ira pas à droite, on ira pas chercher l'autre bijou. On n'a pas besoin non plus. Enfin, on n'est pas pauvre non plus à un point où on a absolument besoin d'aller chercher l'autre bijou. Putain, mais tu vois, on a même pas le temps d'aller chercher le bijou qu'il y a ce fils de pute qui vient nous faire chier. Ok, allez, 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 allez. Oui, il est aussi débile que les petits villageois. Allez, récupère, putain. Allez, non, cours, 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 cours. Oui. Oh là 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 là. Non, ah oui, d'accord. J'ai cru qu'il allait de l'autre côté, le mec. Allez, 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 allez. Oui, il est aussi con que les villageois, mais heureusement qu'il est aussi con que les villageois. Heureusement, heureusement, putain, c'est bon ça, on a récupéré tout plein de trucs. En même temps, on va récupérer un peu les balles de pistolet. Allez, cours, cours, Léon, cours. Tu peux le faire, tu peux courir un marathon, tu peux courir le triathlon aussi. Tu peux tout courir, t'es un ouf, toi. Vas-y, voilà, c'est bon, on peut ouvrir. Putain, ça va, on est bien, on est bien. Je suis bien content, là. Ce qu'on va faire, on va récupérer... Voilà, ce qu'il y a à récupérer... Oh là 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 là, je suis content. Bon. Ouais, je peux vraiment pas le tuer. Je peux pas. En plus, avec elle et tout, je peux vraiment pas. Voilà, non. Franchement, le mieux, c'est de le skipper. Et je peux pas non plus tuer les deux meufs à la tronçonneuse. Là, laisse tomber. En plus, avec elle, bon, certes, on peut la cacher et tout, mais bon, c'est trop chaud, quoi. Faut pas oublier qu'on est en professionnel et que, bon, il y a des limites. Il y a des limites. Et donc, du coup, c'est comme ça. Voilà, donc, du coup, ce qu'on va faire, on va tout simplement monter là-haut. Et on va aller voir le marchand, voir ce qu'il veut et ce qu'il nous propose. En espérant qu'il y ait quelque chose de nouveau, ça m'étonnerait, mais ouais, je sais pas. Voilà, donc de toute façon, ce qui nous intéresse, nous, c'est le sniper. Donc pour l'instant, on peut pas l'avoir. Mais on va très très vite l'avoir. Donc le Punisher, bon voilà. De toute façon, je suis au maximum au niveau des balles, donc ça sert à rien. Au niveau... Ah si, je sais ce qu'on veut. Je sais ce qu'on veut acheter. Et on va le faire. Donc là, on va vendre les spinels. La shop, on la vend pas encore. Ça, on va y combiner et on va y vendre. Donc, hop, on va tout simplement combiner ça. Voilà. Viens ici, toi. Merci. Allez, hop, voilà. T'inquiète. Donc, du coup, on va tout simplement vendre notre cher machin. Et ça, on y vendra plus tard. Voilà. Donc, je sais plus où est-ce qu'on trouve. Donc, c'est le jaune. Et le jaune, je sais plus du tout où est-ce qu'on le trouve. C'est ben dommage. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais je crois qu'on l'a loupé. Ah merde. Attends. Carte. Alors là, c'est le petit bijou. Ah mais oui, c'est là. Mais c'est où ça? Je sais plus. Ah non, c'est pas déjà fait choper là-bas et tout? Ah oui, non, je sais où il est, d'accord, mais c'est bon. Ah ouais. Enfin bon, ouais, non, je me suis un peu... j'ai un peu confondu tout ça. Ok, voilà. Donc ce que je vais faire... C'est qu'on va acheter un lance-roquette. Donc je vais un peu ranger tout ça. Donc ça va, on a pas mal de munitions. On a plus de 250 munitions. C'est vraiment pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout ça. Puis on se dit à tout de suite. C'est parti. Voilà, donc du coup là... non, c'est pas du tout ça. Laisse tomber. Voilà, donc du coup, on va acheter le lance-roquette. Qui va vraiment nous servir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter... Oui. Voilà, hop. Je suis en train de réfléchir à comment je vais pouvoir le battre. Je sens que je vais devoir utiliser la mitraillette de toute façon. Voilà, donc si c'est possible de pouvoir, voilà, placer ça ici. Parfait. Donc franchement, jusque là, je trouve qu'on joue extrêmement, enfin, que je joue extrêmement bien. C'est plutôt pas mal, on se débrouille vraiment pas mal. Bon, c'est pas grave, je peux rien placer là-bas. On va placer ça là. Voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, on va partir à la recherche du monstre magnifique. Ça veut rien dire, je m'en bats les steaks. Voilà, je savais pas quoi dire, donc du coup j'ai dit un peu n'importe quoi. Et puis voilà, donc du coup, est-ce que là il y a quelque chose? Je sais plus, je crois pas. Hein. Voilà, c'est bien ce qui me semble, il n'y a rien du tout. Donc du coup on va tout simplement aller voir l'autre monsieur qu'on doit tuer. Par contre j'ai plus de vie. Mais alors, mais vraiment plus de vie, j'aurais dû en acheter. C'est vrai que c'est pas con. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout.
On s'en fout, on s'en fout. Voilà, donc toi tu restes là parce que tu me saoules. J'aime pas te voir derrière moi, c'est chiant. Voilà, donc hop, on récupère les sous-sous. Et on se barre. En bas. On descend, voilà. On descend, tout simplement. Mais c'est bon, elle est juste à côté de moi, arrête d'être con. Voilà, t'es content? T'es con en fait. Il doit être con. Ok, donc. Alors déjà, l'autre là-bas, là, il va se calmer. Merde, putain, je me suis loupé. Vas-y, oh, t'es sérieux? Voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois que j'arrive à tirer sur quelqu'un et que je le fais tomber, eh ben elle fait un check. Tu vois, elle fait un check. Tu vois, genre, ouais, t'as réussi, tu vois. Genre, banco, je sais pas quoi, tu sais. Enfin bon. Voilà. Putain, merde, dommage. Oui. Oui, nickel. Toi, viens là. Voilà. Toi, viens ici. Bah, c'est nickel tout ça. Il y en a l'autre là-bas, là. Regarde, boum! Et hop, il traverse. C'est pas puissant ça. Putain, c'est magnifique. En plus, on a réussi à le faire tranquille et tout, donc c'est pas mal. Voilà, donc on a tué tout le monde. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va bah, aller battre le boss, hein. Et puis voilà, donc on. Vite, on monte, on monte. Enfin, on monte, on. Voilà, on sort de là. Voilà, arrêtons les conneries. On a autre chose à faire que faire de. Voilà, donc on va récupérer la grenade. Putain, je commence à avoir la gorge là qui commence à verger là. C'est chiant, c'est chiant. Ah, des balles, tiens, c'est cool. Combien on a de balles? 200. Oh, mais qu'est-ce que tu me fais là? Mais t'as cru quoi toi? T'as vraiment cru que. Non, mais je sais pas, il y a des fois. Voilà, donc 255 plus 13, 268. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ça fait 268 balles quand même de pistolet. On économise vraiment pas mal. Si on peut en avoir un peu plus de 300, même voir dans les 400, ça peut être pas mal aussi. Toi, tu vas te calmer. Merci beaucoup. Non, non, non. Non, mais t'es sérieux là? Mais t'es sérieux là? Mais j'y crois pas, ce jeu commence vraiment à me casser les couilles. Hein. Le mec arrive à me toucher, on se demande comment. Et puis autre fils de pute qui balance sa. Mais. Ok, donc cette fois-ci, on fait pas de la merde. Parce que bah, sinon, on est dans la merde. Donc toi, tu vas pas me saouler. Toi, on recule. Mais oui, mais genre, ça me touche, quoi. Putain. Vas-y, allez vous faire foutre, là. Voilà, vas-y, tire-moi dessus, t'es content. Tu m'as raté, mais t'es. Va te faire enculer, mon gars. Regardez les gars, les gens, on va changer de technique en fait. Simplement, on va tirer sur sa putain de dynamite. Voilà, tu vois, non, mais bon, ouais, il y a un moment, faut savoir prendre des décisions. Et là, je me suis dit, allez, on va pas se laisser faire, on va lui tirer sur sa putain de dynamite de merde. Et on le bute, le gars, on le bute. Toi, tu vas vite te calmer. Allez, vas-y, viens là. Oui, je m'en bats les steaks. Y a personne, y a que toi. Hein. Les autres, je les ai explosés. Ils ont grave le démon. Ok. Hop, voilà, on se calme. Casse-toi, merci. Et voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'il faut faire. Et oui, bon, ça par contre, c'est pas cool, hein. Si tu pouvais éviter la prochaine fois, ça pourrait être sympa de ta part. Voilà, non mais c'est bon, je tiens à le dire quand même. Voilà, donc hop, casse-toi, merci. Voilà, donc hop, casse-toi. Ouh, t'as eu chaud. Enfin, j'ai eu chaud. Ouais. Casse-toi, merci. Ouais, c'est pas mal ça, regarde. Hop là, bim. Voilà, bah nickel, voilà, nickel. Bon, on utilisait beaucoup de balles, mais bon, au moins ça nous évite d'utiliser une grenade. Ok, donc récupère ça. On combine ça. Et comme ça, on peut le vendre, bah c'est génial. Ok, donc du coup, on va y aller. Oh putain, il nous donne rien cet enculé quoi. Oh là 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 là. C'est limite, on aurait pu l'esquiver, ça aurait été pareil quoi. Alors. Du coup. On va peut-être recharger quand même. Voilà. On va prendre la mitraillette. On va prendre la mitraillette. Ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais elle commence à flipper là. Tu vois, je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Tu fais. Mais rien du tout, voyons. J'ai rien fait, j'ai rien fait. C'est pas moi, c'est pas moi. Voilà, donc du coup. On va récupérer quand même un peu ce qu'il y a là. Voilà. Nickel. Non, attends, tu vas me dire qu'il n'y a plus de place quand même. Oh là là, tu es sérieux, putain. Bon. Viens ici, toi. J'ai deux, trois trucs à te demander.
Donc on va vendre déjà, on va vendre les balles de fusil à pompe qui nous servent à rien. Donc là on a du fusil, on a de la TMP, nanana, nanana, nanana. On a ça qu'il faut vendre absolument, ça fait un max de pognon. Voilà, donc ça on s'en fout. On va juste prendre quand même un peu de spray quand même, parce que bon. C'est pas qu'à un moment faut savoir prendre de la vie, mais un peu quand même. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais. Voilà, je vais lui parler. Optimiser. Punisher, ouais, non, ça me sert à rien pour l'instant. J'ai les munitions en max. On va juste recharger ça. Ça, ça va vous faire gagner 80. Non, attends. Moins 28, donc 72. Voilà, 72 balles de mitraillette. Vous inquiétez pas, j'ai pas oublié les balles de fusil à. De pistolet, je veux dire. Voilà, bon. C'est vrai que j'ai utilisé un peu comme une merde mon spray. On s'en bat les couilles, il était gratos. Oh, 5000 pétasses, c'est pas énorme quoi. Ok, donc c'est parti. Voilà. Putain de gorge. Et c'est un truc de ouf. Hein. Ça me. Gorge à la con. Hein. Bon. Non, on va prendre la mitraillette, j'avais dit. Putain. Et franchement, j'écoute pas ce que je dis. Hein. Attends, juste. Attends, voilà. Si tu peux éviter de faire de la merde, merci beaucoup. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, non? Oui, c'est beaucoup mieux. Même limite, tu peux faire ça. Voilà, c'est 10 fois mieux. Voilà, c'est mieux rangé, c'est parfait. C'est... On est tous contents, voilà. Si même ta mamie, elle est contente. Ouais, je t'assure, elle m'a dit, ouais, je suis content, c'est trop génial. Truc de ouf, je t'assure. Voilà, donc... Non, parce que Léon me croyait pas, tu vois. Donc forcément, il faut que je lui donne des preuves, tu vois. Bon, alors... ouais, donc ça, on s'en fout. Ah, vite, faut esquiver. AB ou LT. AB ou LT, AB ou LT. LT. Bon, il y a le RT aussi, hein, mais bon, voilà, vous m'avez compris, je pense. Voilà, donc, ce que je fais... C'est que d'abord je prends la mitraillette. Non, tu sais quoi, je vais prendre ça à la limite. Voilà, à la limite. Fais pas chier, mon gars. Non, mitraillette, s'il te plaît. Merci beaucoup. Non, calme-toi. Allez, tire. Oui. Oh, j'ai cru que j'allais pas y arriver, les gars. Oh là 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 là. Vas-y, récupère ça. Putain, il est lent, ce Léon, il est lent. Donc calme-toi, j'ai pas envie de mourir. Si je pouvais ne pas perdre de points de vie. Allez! Oh, tu meurs jamais? Enfin, tu meurs jamais, tu. T'as jamais rien là? Normalement, t'es censé, je sais pas, faire. Oh, j'ai mal, oh là là. Aidez-moi, s'il vous plaît, je souffre. Allez, attends. Je m'en fous, je te défonce, gros, je te défonce. Oui! Oh, je l'ai défoncé, les gars! Bon, après, on va faire attention. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas tirer maintenant. D'abord on va monter là-haut. On va récupérer une ou deux vies. On va aller à droite, vite. Oh putain. Comme il a failli nous shooter. On va descendre, vite, descend. Merci beaucoup. Si possible, on va l'attendre ici. Attends, on va récupérer la vie qu'il y a là. Bah je peux pas. Ok, c'est pas grave. Ça, j'avais oublié que j'avais plus de place. Oh putain. Mais vas-y, mais t'es sérieux là gros? J'ai même pas le temps de bouger. Putain. Bon, c'est pas grave, on va récupérer ça. Voilà, ça nous fera un peu plus de points de vie en tout. Par contre, je vais être sûr que... Voilà, je vais être sûr que tu ne fâches pas chier. Ok, donc voilà, normalement, t'es censé descendre ici. Voilà. Boum! Ça, c'est fait, fils de pute. Oh là là, je l'ai niqué. Eh, je pouvais pas le faire au couteau, tu vois, c'est pas possible. Tu vois, j'étais obligé de le faire lance-roquette, mitraillette. Hein. Fusil à pompe aussi, c'est pratique, mais bon... Voilà, donc on récupère tout ce qu'il y a à récupérer, on se fait plaisir. On a plus le lance-roquettes, on se fait plaisir, les gars. Putain, on ramasse un max de trucs. C'est magnifique. Franchement, trop bien joué, c'est un truc de ouf. J'ai trop bien joué. Donc, hop, plante rouge, grenade, pistolet. Putain, magnifique. Ouais. Alors, juste, je vais quand même rééquiper, voilà, mon petit pistolet. Au niveau... Des grenades, on va les mettre de côté. On va faire ça. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ça fait un peu moins moche. Donc ce qu'on va faire, on va faire pareil pour là. Voilà. Donc là, hop, on est bien là. Voilà, donc là, ça va être la fin du chapitre. Hein. Pensez bien, il faut bien que ça se termine un moment. Voilà, donc jusque là, franchement, on est bien. On est vraiment bien. On a nos trucs pour les balles de pistolet, nos trucs pour les balles de mitraillette. Les balles de sniper aussi, enfin bon, franchement on a un très bon équipement et c'est génial, ça promet vraiment beaucoup.
pour la suite. Voilà, donc ce qu'on va faire. Attends. On va pas oublier ça quand même, c'est quand même très important. Mais quand je dis très très, c'est très très important. Voilà, donc hop, fais gaffe, ça crame. Et puis voilà, donc salut, comment tu vas? Moi je m'en bats les steaks de toi. Salut. Non, je rigole, c'est bon, tu peux venir. Ouais, donc du coup, on va aller voir le marchand. Et on va faire quoi? Bah déjà on va vendre les balles de fusil à pompe. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Mais je m'en bats les couilles d'Intermarché. Putain, l'autre elle me parle de collaboration avec Intermarché, je sais pas quoi. On bat les steaks. Oh. Non mais il y a des pubs des fois, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre. Bon alors, du coup ce qu'on va faire, on va aller voir le marchand. Non. J'ai beau réfléchir, je sais pas quoi faire. Attends, le fusil à pompe. Ouais. Tout ça. Attends, putain, 275 munitions de pistolet, les gars, mais c'est affreusement énorme. Ah, ok, le spinel, ça dégage. On va, ouais, voilà, on va acheter les sprays. C'est parti. On achète un ou deux sprays. Ça fait toujours plaisir d'en avoir deux. Hein. On va pas se le cacher. On a le pognon. On profite. Franchement, c'était mal parti, mais là, je commence à croire que je vais dans le bon sens. Et puis voilà, donc, Punisher, bah ça on s'en fout de toute façon. Hein. Tout le reste, après c'est du... Ouais, de toute façon, il n'y a même pas pour la contenance. Donc voilà, donc du coup, c'est vraiment magnifique. On a une partie en or, les gars, regardez ça un peu. L'autre, il a une communauté en or, nous, on a une partie en or. Regardez-moi ça, on a je sais pas combien de grenades de flammes. On a des grenades pour le boss final. On a une grenade aveuglante, mais à la limite pour le boss final on peut très bien prendre aussi le lance-mine, mais bon, voilà, on verra bien. Donc du coup là on a les balles de mitraillette, on a les balles de pistolet, on en a un max. Enfin bon, franchement on est OP les gars, c'est un truc de ouf. Je crois que c'est la première fois que j'ai une partie vraiment aussi bien. Enfin en tout cas à ce niveau-là, à ce niveau-là bien entendu, parce que voilà. C'est vrai que j'ai jamais vraiment testé d'utiliser que le pistolet comme ça, vite fait. Enfin bon, généralement, je suis toujours là à prendre quand même un bon fusil à pompe ou un truc dans le genre. Mais à économiser beaucoup les balles. Voilà, donc du coup, on monte là-haut. Cette fois-ci, pas de temps de... Enfin, il n'y a pas d'ennemis. Juste un petit temps de chargement, voilà. Donc du coup, maintenant... voyons, on rire ce qu'il y a là. Il n'y a rien du tout, ok. Nickel. Donc du coup, on va... Est-ce qu'on a récupéré? Oui, on l'a récupéré, de toute façon, on est obligé. Ce qu'on va faire... Bah ouais, non, ouais si, on pourra pas, mais c'est pas grave. On va aller là-bas, on va aller au château. Et puis après, eh ben, bon, on se quittera, tout simplement. Voilà, donc ça va être assez rapide, hein, c'est pas très long. Juste que bon, bah, au niveau du sniper, on l'achètera pas dans ce chapitre, mais dans le prochain chapitre. Voilà, donc, juste, toi, tu restes ici 2 secondes, s'il te plaît. Voilà, je prends les balles de pistolet quand même. Voilà, donc viens ici. Bah viens. Putain. Voilà. J'ai pas trop envie de mourir moi. Donc si tu pouvais. Voilà, nickel. One shot les gars. One shot. Enfin je crois. Oui, j'ai one shot. Putain, oh, one shot les gars. Une balle et bim, c'est fini quoi. Allez, c'est parti, toi tu viens avec moi. Faut pas trop vite non plus, voilà. Enfin, faut pas que j'aille trop vite non plus. Ok. Voilà, alors regarde derrière. Derrière elle, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a plein d'ennemis. Mais c'est pas grave, les ennemis, on va en faire qu'une bouchée. C'est moi qui vous le dis. Quoi qu'à la limite, on va peut-être même pas les tuer. Ça pourrait être pratique. Voilà. Il faut un peu de vitesse, s'il vous plaît. Merci, voilà. Parce que son couteau, c'est pas qu'il est lent, mais bon, un peu. Ce qu'on va faire, est-ce qu'on les tue ou pas? Est-ce qu'on les tue ou pas? Non, on les tue pas. J'ai vraiment pas... Putain, je sais pas, attends. Non mais j'appuie sur X. Ah c'est bon, on va te faire foutre. Non mais c'est bon, c'est pour avoir un jeu à moitié buggé. Je me casse. Allez salut. Non mais c'est bon, j'appuie sur X, va te faire enculer. Tu sais quoi, vous m'avez saoulé. Voilà, c'est bien parce que j'en ai plein. Allez, casse-toi. Voilà, non mais c'est bon, ils m'ont saoulé, voilà. Super, j'ai même pas pu récupérer mes gains. Non mais c'est pas grave, va te faire enculer, jeu de merde. Non mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc on va sauvegarder, on termine très très mal, mais ça c'est pas très grave. On sauvegarde sur du chapitre 2-3. Voilà, on est bien content. Le prochain chapitre, je suppose que c'est le 2-4. 3-1, je veux dire. Voilà. Donc, malheureusement, on est tous rouges. On a fait de... Enfin, j'ai fait de la merde. C'est un truc de ouf. Oh là 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 là. Mais il y a des fois, franchement, je t'assure. Ça va qu'on a des sous. Allez, Ashley, tiens. Hop. Voilà.
Bon bah ça sert à rien ce que je fais vu que j'ai pas sauvegardé, enfin vu que je sauvegarde pas tout ça, enfin bon on s'en fout. Voilà donc la prochaine fois on achètera tout simplement. Voilà histoire de terminer quand même sur un bon truc, je vous montre un peu ce qu'on va acheter la prochaine fois. Ouais donc pour la puissance de feu ouais on achètera ça à la limite et bien entendu le... Oh bah ouais on achètera ça carrément. Ah ouais carrément, et il y a... Ouais bon il y a ça ouais pourquoi pas. Et surtout, surtout... Ah le Black Tie tiens. Alors est-ce qu'il est mieux que lui? Alors... Ouais cadence il est plus mieux. Au niveau du recharge... Wow bah il est beaucoup mieux. Et au niveau de la contenance, mais il est beaucoup mieux. Ouais bah j'ai bien fait d'attendre et de pas acheter ce vieux, cette vieille merde là. Et donc du coup j'achèterai ça la prochaine fois. Je revendrai mon pistolet actuel. Donc j'achèterai ça. Putain celui-là il donne envie. Et ça aussi voilà. Donc j'achèterai les deux là. Et puis comme ça on sera OP. J'achèterai aussi deux prêts de premiers soins. Et je vendrai bleu velours. Ok d'accord. Bah voilà. Donc c'est plutôt pas mal franchement. Ça mérite d'être plutôt pas mal. On va vraiment se faire plaisir. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement lui péter la gueule. Et voilà. Donc putain one shot quoi. Oh là là, elle crame en one shot elle. Truc de ouf. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Personnellement, j'ai passé un bon moment, comme d'habitude. Voilà, donc en espérant que l'épisode, tout ça vous aura plu. Et puis voilà, donc... Ami, je peux vous dire, en espérant que ce concept vous aura plu. Tu vois, ce concept, tu vois, c'est un concept, tu vois, c'est moi qui l'ai inventé, jouer à un jeu vidéo et faire une vidéo comme ça. C'est moi qui l'ai inventé, ok. Non, c'est pas vrai, bien entendu. Voilà, donc du coup... Ce que je vais faire, c'est que je vais vous quitter là. Et puis on se dira une prochaine fois, à une prochaine vidéo. Et puis voilà, donc du coup, je vous dis ciao. Donc du coup, ciao tout le monde. Et du coup, allez, ciao!